Bonjour, donc je m'appelle Philippe Ondilla, je fais de la peinture, de la gravure, du graphisme, des expérimentations graphiques. Toutes les techniques ont leur spécificité, donc la peinture c'est intéressant parce que c'est très gestuel, c'est très, très physique en fait, on peut jouer sur les textures, les épaisseurs, la couleur, donc le rapport à l'outil est assez intéressant. Au sujet de ces portraits-là, oui, j'aime bien les portraits en fait, j'aime bien la cuisine, donc je fais quelques portraits. Bon, les cuisiniers avaient une tête intéressante pour moi, du point de vue plastique si vous voulez. Là, j'adore les portraits d'une manière générale en fait. En fait, c'est des gens que je connais, et dont j'apprécie en fait le visage. Et en fait, en fonction de la morphologie du visage, si le visage accroche la lumière, en fait, j'ai envie de le peindre. Comme c'est assez long de peindre un visage finalement, autant prendre un modèle qui soit motivant. J'expérimente soit des grands formats, soit de la photo noir et blanc, soit du numérique, en fonction oui, des projets, en fonction des gens avec qui je travaille. Dans le cadre d'un projet, il peut y avoir des envies qui sont naissantes liées à un travail collectif. Donc une fois qu'on est en synergie avec d'autres artistes, on dépasse hein, les premières idées, les postulats pour justement créer, produire des œuvres. Oui, c'est une passion. Enfin, je peins occasionnellement pour le plaisir, pour le plaisir du contact avec la matière, en fait, qui change complètement de l'ordinateur, mon travail initial, du graphisme numérique. Le plaisir de peindre et de jouer avec la couleur, les formats, les textures, c'est une chose très importante pour moi. En fait.